Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui, dans cet épisode de Top Flop 5, nous allons voyager dans les contrées lointaines qui servent de théâtre aux événements des différents jeux Final Fantasy, car je vais vous parler des mondes en général. C'est donc parti pour mon Top 5 des univers de Final Fantasy. Numéro 5, Grimoire. Grimoire est le monde dans lequel se déroulent les événements du jeu World of Final Fantasy. Il s'agit d'un monde composé de continents flottants et d'îles dans le ciel, habitées par des humanoïdes nains appelés Lilikins et une myriade de monstres appelés Mirage. Il existe 6 grands continents, chacun avec une géographie différente, ainsi qu'un plus petit où se trouve la Tour de Cristal. Grimoire, c'est un peu le kiff de tous les fans de FF. Si vous voulez rencontrer de nombreux personnages de la saga et visiter des lieux cultes de différents mondes, Grimoire, c'est LE monde dans lequel vous voudriez être propulsé pour vivre votre propre isekai. Alors certes, on pourra me donner comme contre-argument le monde de Dissidia Opera Omnia, mais pour les joueurs de ce jeu, vous savez très bien que ce monde, c'est pas trop la joie. C'est un peu bête, mais oui, j'aime beaucoup le côté mosaïque de la saga dans ce monde. J'aime l'idée de me dire que je vais pouvoir visiter Cornelia ou encore un réacteur Mako et sur le chemin passer dire bonjour à Refia et Charlotta. Alors oui, le côté chibi peut déranger plus d'une personne, mais j'aime beaucoup le style chibi personnellement. J'aime les trucs mignons comme vous avez pu le constater dans mon top précédent. Donc pouvoir voir des personnages de FF avec des petites joues toutes roses qu'on a envie de pincer, ça me dit bien. Mais même si je mets de côté l'aspect fanservice de la série, j'aime également le côté très enchanteur de ce monde. Pouvoir voyager à d'autres tortues, que le contrôleur du train soit un pampa, qu'une reine Gorfou vive dans les fonds marins. Grimoire, ça me fait rêver. J'aime beaucoup cet univers rempli de fanservice et pour tout cet émerveillement qu'il m'a offert, il mérite la 5ème place de mon classement. Numéro 4, Vanadiel. Vanadiel est le monde dans lequel se déroulent les événements de Final Fantasy XI. Vanadiel est divisé en régions à travers diverses masses continentales qui sont ensuite divisées en zones. Ces lieux sont l'endroit où les aventuriers doivent voyager pour vaincre des monstres, accomplir diverses missions et quêtes, et parfois les traverser pour se rendre d'une ville à l'autre. Je trouve personnellement que Vanadiel est un monde qui appelle à l'exploration. Alors je dis ça, mais on aimerait tous, je pense, voyager à travers les univers des différents jeux de la série. Vanadiel est un monde riche qui contient de nombreux peuples et légendes. J'aime beaucoup l'idée d'un monde très hétéroclite, et Vanadiel est typiquement ce genre de monde. Ce monde a un côté fantastique médiéval assez classique, mais que je trouve diablement efficace. On retrouve beaucoup d'éléments que l'on pourrait trouver dans d'autres univers du genre, comme par exemple les aventuriers, les hommes bêtes, la magie, les démons, les dieux, et j'en passe. Mais ce sont des éléments qui m'attirent beaucoup. Ils me donnent envie d'explorer les forêts profondes, de prendre des cours de magie avec des tarutarus. Je trouve les décors vraiment dépaysants et très immersifs. C'est un vrai point fort du jeu selon moi. Tout est crédible et cohérent. L'architecture de certaines villes est superbe, le bestiaire très réussi. Bref, cet univers donne vraiment envie. Vanadiel est un monde merveilleux et c'est donc la 4ème place de ce top. Numéro 3, Ivalice. Ivalice est une région un peu particulière dans la série, car elle est celle dans laquelle se passent plusieurs jeux de la saga. Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics et les Tactics Advance, tous ces jeux se déroulent dans des époques ou versions différentes de cette région. Rien que ça, ça démontre à quel point l'histoire de Ivalice est riche. Il s'agit donc de terres millénaires qui ont beaucoup à vous dire et c'est déjà un point fort non négligeable. Ivalice est une région géographique qui se compose de 3 continents. Valendia au nord, Ordalia à l'ouest, et Kerwon au sud. La région est peuplée d'une poignée de races uniques, chacune avec sa propre culture et ses traditions.
Je ne vais pas ici m'attarder sur une version de Ivalice en particulier, pour la simple et bonne raison qu'il m'est trop difficile de choisir. Je ne saurais vraiment pas dire quelle version est ma favorite, car je les aime toutes et je leur trouve à toutes des points que j'adore. J'adore par exemple le principe des juges de Final Fantasy Tactics Advance, qui utilisent des cartes loi pour faire régner l'ordre. J'aime énormément la variété d'ambiance de Final Fantasy XII, avec des villes comme Rabanastre très fantaisistes, qui cohabitent avec la modernité de Arcades. J'aime beaucoup l'aspect plus médiéval de Final Fantasy Tactics et ses histoires de chevaliers pleins d'honneur. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans Ivalice, ce sont les différentes races qui peuplent la région. Les Numous, cette version des Moogles, les Viera, les Garifs, même les Sikhs. Je trouve qu'ils sont un vrai atout pour l'ambiance de FF12 par exemple. L'esthétique globale de Ivalice est impeccable, peu importe sa version. C'est un monde plein de vie et c'est surtout la troisième place de ce top. Numéro 2, Spira. Spira est le monde dans lequel se déroulent les événements de Final Fantasy X, ainsi que tous les autres médias le concernant. Spira est composé d'un grand continent avec plusieurs petites îles et un climat très varié. Dans la partie sud du continent, le climat de Spira ressemble au climat réel de l'océan Pacifique Sud. Le climat se refroidit, bien évidemment, dans le nord. À l'exception des sentiers de montagne enneigés du mont Gagazet, la pointe nord du continent a un climat tempéré ou légèrement chaud et des vêtements plus légers sont portés par les occupants de la région. La faune unique de Spira se compose principalement de démons et de monstres hostiles. Si on enlève Sin, qui est un fléau pour ce monde, Spira est un endroit vraiment merveilleux. J'aime beaucoup l'ambiance plutôt asiatique qui se dégage d'une certaine partie du monde ou par exemple de certains chara-design. Par exemple, Yuna avec sa tenue semblable à un kimono et son bâton inspiré du bouddhisme. Certaines îles aussi qui sont clairement des références à l'Asie du Sud-Est et c'est quelque chose d'assez nouveau au moment de la sortie du jeu. Je trouve que Spira se démarque vraiment beaucoup des mondes des autres FF en général et c'est un aspect que j'aime vraiment. Des zones comme Bayside, Kilika, Makalania sont vraiment très belles et restent longtemps en tête. J'aime beaucoup certains concepts de ce monde également, comme la technologie des sphères et du stade de Blitzball, ou tout ce qui tourne autour des furolucioles qui sont à l'origine d'énormément de choses dans cet univers. Le principe des invoqueurs et des gardiens également, le pèlerinage, le passé, toute cette histoire autour des albèdes, des machines, la liste est longue. Spira, si on enlève la mort qui y rôde à chaque instant, c'est un monde dans lequel il doit faire bon y vivre. Spira, félicitations, tu es à la deuxième place de ce classement. Numéro 1, Eteris. Eteris est le nom du monde dans lequel se déroule l'intégralité des événements de Final Fantasy XIV. Il s'agit d'un vaste monde composé de plusieurs régions principales. Eorzea à l'ouest, Izalbard au centre, l'Extrême-Orient, le Nouveau Monde, mais aussi Meracidia et diverses grandes et petites îles dispersées un peu partout. Je vais aller droit au but, à mes yeux, rien n'est plus passionnant que cet univers-là. Même si j'aime beaucoup Spira qui est en deuxième position de ce classement, Eteris est largement au-dessus selon moi. C'est un univers complètement hors catégorie tellement je le trouve magnifique, riche et d'une profondeur vertigineuse. Eteris, c'est une variété incroyable de peuples aux nombreuses cultures passionnantes, de lieux à l'histoire millénaire. C'est le monde qui me fascine le plus et que j'ai le plus étudié. Bien évidemment que j'ai fait l'acquisition des encyclopédies de cet univers et chaque page est un régal. C'est un monde extrêmement complet où chaque élément est développé pour le rendre crédible. Par exemple, l'éther. Il est possible d'expliquer dans le moindre détail comment fonctionne cette énergie qui est source de tout. Et j'adore cette profondeur. J'adore tous ces détails. J'adore tous les peuples qui sont présents dans ce monde, que ce soit Elezen, Lalafell, Aora,
Sylphes, Amalja, et j'en passe. J'adore l'histoire de cet univers, comme par exemple la guerre de la magie, l'Empire Alagwa, ou même les anciens. Il n'y a rien à jeter dans ce monde. Les décors sont sublimes, que ce soit la sainte cité d'Ishgard, la vieille Charlayan, la steppe d'Azim, Costa del Sol, et bien plus encore. Et en plus, pourquoi se contenter d'un monde quand on peut en proposer plusieurs d'une qualité inouïe ? Le principe des reflets est vraiment génial et rend les possibilités infinies. Je pourrais admirer durant des heures ce monde fantastique. Je pourrais vous parler pendant des jours de la mythologie, de l'économie ou bien des spécialités culinaires de chaque cité-état. Etheris, tu me passionnes, tu es magnifique et je te rends hommage ici en te donnant la première place de mon top des univers de Final Fantasy.